Bonjour mes petits visuels, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui on est là pour une nouvelle vidéo. Comme le mois passé, je pense que je l'ai mis. Je me suis pris la box, enfin le petit colis. Ou box, je l'ai. Le petit colis, je suis désolée. Du grand format. Il y a celle de Noël qui doit plus tarder non plus arriver, je pense. Faudra que je regarde. Du coup, j'ai reçu ce matin le petit colis du grand format. Logiquement, tout est goodies, c'est le même que du petit que vous allez voir. Du coup, on va s'ouvrir ça quand même. Allez, c'est parti. Je vous montre, on a toujours le petit papier. Je retire le papier de soie. Alors, on commence. On a encore la petite sucette que j'ai toujours pas mangée. Elle est toujours là. Hop là, les deux petites sucettes. Par contre, les biscuits n'existent plus. Les petits biscuits, comme on a eu dans la précédente vidéo, qui est très bon, qui j'ai adoré. Ils sont super bons. Ils se présentent comme ceci, les petits biscuits. C'est un peu comme un spiculoos pour ceux qui connaissent. Voilà. Je crois qu'ils feront pas long feu ce soir. Après, on a encore les petits marque-pages comme la box. Le choix d'un bon livraire n'est pas moins difficile que la lecture en et en ingérable. Voilà, je vous montre. On voit un peu beaucoup mieux. Voilà. Et après, on a le petit formulaire des goodies qu'on a eu. C'est le biscuit de Mademoiselle. C'est des bonbons fabriqués artisanales. Voilà. Il y avait deux sortes. J'ai eu les deux mêmes. Je suis un peu triste. J'aurais bien voulu avoir l'autre pour goûter. Pour voir si c'est le même goût. Après, on a la petite carte de Noël de toute l'équipe du petit colis. Toute l'équipe du bricolis. Enfin, ouais, vous offre un joyeux Noël. Pour ceux qui intéressent, je mettrai, si je n'oublie pas de mettre le site de Ticoli en barre d'infos. J'ai un parrainage aussi si ça vous intéresse. Je ne sais pas ce que ça vous fait sur votre commande. Et après, ce qu'on attend, c'est ça. Bon, il a l'air plus grand que l'autre fois. C'est déjà beaucoup mieux parce que l'autre fois, on avait eu, il est juste là. Voilà, celui que j'avais eu l'autre fois, le mois passé. Oui, il est quand même plus grand que celui qu'on a eu. Bon, je ne l'ai pas encore ouvert, du coup, je ne sais pas. Bon, allez, je suis curieuse. Si vous voyez, vous ne voyez pas. Hop, hop. Vous allez le voir avant moi. Voilà, la couverture est super belle. Et c'est viser la lune et au-delà. De Marie-Lise Trétecourt. Aux éditions, je ne sais pas quoi. Je sais pas. Édition France Loisirs. Voilà. Il est trop beau. J'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez de la couverture? Un petit chien, des petits oiseaux, des papillons, une lune. Allez, je vous lis le résumé. Et si vous avez le pouvoir de réaliser vos rêves? Mes rêves, c'est de déménager et avoir ma maison. Une grande maison. Avec plein d'animaux. Non, mon rêve, en réalité, ce serait de au moins nager avec les dauphins. Ça, c'est un de mes rêves. C'est toujours pas le cas. J'ai toujours pas réalisé ce rêve. Pourtant, voilà. Bon, alors, on commence. Estelle a 39 ans. Et en apparaît, tout peut être heureuse. Pourtant, elle rêve d'une vie plus belle dans laquelle son mari serait attentionné à elle. Son fils travaille à l'école où son chef de service recommandait en vrai sa vraie valeur. Alors qu'une insomnie provoquée par un ronflement de son conjoint, Estelle grelotte, change de vie. Elle tombe sur un artiste inspiré par la loi d'attraction d'après laquelle il suffirait de visualiser ce que nous souhaitons.
souhaite et de l'écrire sans y croire. Une seconde, elle formule son vœu. Je souhaite avoir un mari beau, charmant, attentionné, comme Brain Petit. Brain Petit, je sais pas, c'est... Le lendemain matin, quand Brain se lève à côté d'Estelle, découvre qu'elle a souscrit bien malgré qu'elle a un programme de réalisation de son rêve. Se prenant à son jeu, elle émettra ensemble un soutien pour les transformations de sa vie. Mais alors que tout change, à tout qu'elle se autour d'elle, selon les désirs les plus fantastiques, Estelle se sent toujours ce mot-là ne veut pas rentrer dans un site fait, hein, ça, insatisfaire. À quoi tient donc son bonheur? Voilà. Le petit résumé, je vous montre quand même. J'ai pas lu ça, j'ai juste lu ça. Il a l'air pas mal. Dedans, c'est quand même écrit assez grand. Voilà. Voilà, je lirai ça. Je ne sais pas quand parce que... voilà. De toute façon, vous allez bientôt avoir un... Je pense début janvier. Vous aurez une petite... un petit résumé de tous les livres que j'ai lus. Peut-être pas de l'année, mais de tous les mois que j'ai lu, que je ne vous ai pas mis. Parce que je lis peu. Beaucoup, mais peu. Parce que j'ai lu 12 livres. Mais c'est la même série. Du coup, je veux faire une vidéo rien que pour ces livres-là. Parce que je trouve que ces livres sont merveilleux. J'adore la plume et tout le bazar. Et on n'en parle pas des masses. Du coup, j'ai envie de faire une vidéo rien que pour ça. Voilà, dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà lu, est-ce que ça vous donne envie de le lire. Voilà, dites-moi en commentaire. Voilà, allez, moi je vous dis, mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Et surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir et ça aide la chaîne à évoluer. Et moi je vous dis à bientôt, enfin demain matin pour la vidéo du calendrier. Bye bye.